c'est cette histoire là? Vous y allez pas demain au... Au quoi? La réunion là de... avec tous les druides, je sais pas quoi. Non, j'ai pas envie. Mais non, mais j'en ai rien à foutre, vous y allez, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? Ah ouais, c'est parce que je suis druide, c'est ça? J'aime pas y aller à ce truc, ça me gonfle. Il y a tous les clodos du pays qui portent une barbiche et qui se prennent pour des druides. Mais attendez, toutes les régions sont représentées. Si vous y allez pas, il manquera que le druide de Kaamelott. Mais on s'en fout, on en a pas besoin de ça. C'est un genre de fête à la con, c'est en plein milieu de la forêt, on se pèle en plus. Attendez, ne me prenez pas pour un imbécile, parce que d'habitude, les fêtes à la con, vous voulez taper toutes. Comment ça? Ben oui, chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes pas là. T'es toujours fourré à la grande fête de machin, à la célébration de trucs. Bah après, il y en a qui sont intéressantes. Alors tiens, celle où je suis allé là. Laquelle? Le machin avec la pierre, je sais pas quoi. Ah oui, la réunion de la pierre bleue. Voilà. Oh non, mais là, mais je m'excuse. À part picoler, je me souviens pas qu'on ait fait grand-chose. Parce que c'est quoi le thème, là, ce coup-ci? Le rassemblement du corbeau. Mais c'est pas bien, ça. Ah, déjà, c'est sans alcool. Bon, déjà, ça dure le week-end entier. C'est trop long. Et après, c'est thématique. Mais thématique, thématique de quoi? C'est quoi le thème? Le corbeau? Tout juste. Mais par exemple, qu'est-ce qui se passe? Tous ces cons d'anciens druides n'ont rien trouvé de mieux que d'organiser des séances où il faut se pointer au milieu de tout le monde et improviser des blagues. Ça rappelle le corbeau, vous voyez? Improviser des blagues? Exactement, c'est pas con, ça. Mais vous êtes fort, ça, vous? Nul. Nul? Zéro, une vraie bille, je plombe l'ambiance en 30 secondes. Oh bah d'accord, commencez par là, c'est pour ça que vous voulez pas y aller. Ah bah c'est surtout pour ça. Et en plus, y a pas d'alcool. Alors le chevalier écrit aux Romains. Eh, vous vous prenez pour le Colisée? Vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, non, mais vous me disiez c'est nul! Non, mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien! Essayez-en une autre pour moi! Oh non, non, ça va bien maintenant! Allez, c'est bon, essayez, on s'en fout, on est que nous là! Mais pourquoi faire? De toute façon, j'irai pas! Allez-y, on verra bien! Bon, bah alors, c'est un viking. Pourquoi un viking? Bah j'en sais rien, moi j'improvise! Vous voulez dire qu'à ce stade-là, vous savez pas encore ce qui va lui arriver au viking? Bah non, ça vient au fur et à mesure! Allez-y. Bon, bah alors c'est un viking. Il rencontre un ami gaulois dans un port. Et le gaulois, il lui fait: dis donc, toi, avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes. C'est pitoyable, mais pourquoi un gaulois? Bah le gaulois, je m'en suis pas bien servi. Hein. Mais ça pourrait être autre chose, la blague est drôle quand même. La blague est pas drôle. Mais évidemment, c'est sans alcool! Ah. Voilà, à ce moment-là, la fée arrive près de la rivière, elle se regarde dans l'eau et elle dit « Reflet, beau reflet, dis-moi qui est la plus belle ?» Alors la rivière répond « Si tu le demandes, c'est que t'as pas fini de t'en vanter !» Sans déconner, faut pas y aller demain. Bah il me semble, oui. Vous allez me promettre de pas y foutre les pieds, hein. Ah, jurer. En plus, y a pas d'alcool.